Bonjour et bienvenue à tous sur Fox TV. Jean-Baptiste et moi, on a choisi cette magnifique après-midi d'automne pour vous présenter la gamme Black Label. Donc c'est une gamme en fait très vaste qui vous permet de poser vos cannes dans tout type de pêche, du ponton au sol dur, au sol meuble, etc., etc. Et de toujours avoir un système très fiable et très stable. Donc je commence par la base, c'est-à-dire la pique ici. Donc on découvre un système de serrage par collier sur un pas de vis, hein. Donc jusque là assez classique. En revanche, on s'aperçoit que la section interne est biseautée, ce qui permet tout simplement d'éviter toute rotation de cette section interne dans le support externe, donc d'ajouter évidemment énormément de stabilité. Pour rendre cette pique encore plus stable, on a, comme son nom l'indique, un stabilizer ou stabilisateur. Donc on vient y placer la vrille et on va enfoncer les deux dans le sol, bien serré, ce qui va éviter, lorsqu'on utilise un buzz bar, d'avoir une possibilité de pique qui vient vriller et mettre le buzz bar de travers. Alors pour ceux d'entre nous qui sont souvent confrontés à des sols plus durs, hein, roches, etc., on a le système PowerPoint. On retrouve le PowerPoint classique de chez Fox, monté sur un Black Label, donc anodisé noir, mat, toujours la même section ici biseautée, que je viens ôter entièrement pour pouvoir insérer le bras de levier ici et avoir vraiment une grande force pour venir visser la vrille profondément dans le sol. On passe au buzz bar, donc là on a une grande variété, un grand choix. Je vous présente ici le 3 cannes en taille classique, on a ensuite un 3 cannes XL, on a également un 2 cannes, un 3 cannes télescopique et un 3 cannes télescopique XL. Une des particularités de tous ces buzz bar Black Label, c'est le fait de pouvoir transformer très rapidement un buzz bar avec un seul point d'attache central en un système qu'on appelle goal post ou en but. Donc j'ai enlevé ici cette vis qui est également en alliage, hein, le même alliage que l'ensemble ici, à tête plate. Et on découvre donc un logement ici avec un pas de vis. Je viens prendre mon petit kit de conversion. Et ici, j'ai cette pièce qui est en fait deux pas de vis mâles séparés par un disque. Alors on voit ici qu'il y a une partie perforée, qui est la partie en fait qui va venir dépasser, hein, parce qu'elle vous permet éventuellement de rentrer une petite clé Allen qui est fournie avec le kit de transformation et de finir le serrage. Donc je vais venir faire cette manipulation de chaque côté et là je vais pouvoir mettre une vrille ou une pique de chaque côté et avoir un ensemble extrêmement stable également. Le fait d'avoir également ces deux pics va me permettre de venir utiliser le kit conversion Rodpod. Alors là, l'idéal, évidemment, pour tout ce qui est quai en béton ou tous les endroits où il va être vraiment compliqué d'enfoncer quoi que ce soit au sol. Donc j'ai un corps central qui vient s'adapter à des cannes 10, 12 et 13 pieds. Hein, il suffit de venir allonger. J'ai également, en fonction de la largeur du buzz bar que j'utilise, une possibilité de venir allonger ici les deux empattements. Donc on se rend compte qu'on a également ici, sur l'ensemble des tubes, hein, dès qu'il y a du télescopique, la partie interne est toujours biseautée pour éviter toute rotation de cette partie-là dans la partie externe. Voilà. Donc ce kit de conversion Rodpod qui est très stable, très léger, très solide et qui vient se ranger très facilement dans le fourreau. Pour terminer sur la gamme Black Label, on a également tout un setup qui permet de pêcher comme on le fait cet après-midi depuis un ponton. We'll be right back.
On a donc vu l'adaptabilité du Black Label pour tout ce qui est ponton en bois. Il me reste à vous montrer quelques petits accessoires dernier nés de la gamme, notamment les snaggers. Donc on voit ici l'embase, les deux barres qu'on vient visser, donc soit une à chaque extrémité, soit les deux si on souhaite emprisonner la canne entre les deux barres. Disponible en deux tailles, hein, dont là on vous montre la XL qui est la plus longue évidemment, 160 mm. Et le dernier tiers qui est entièrement revêtu de VA, donc pour éviter toute marque et griffure sur le blanc de vos cannes. Finalement, et suite à la demande de nombreux pêcheurs, en série limitée donc à partir d'octobre 2012, c'est-à-dire maintenant, on a le nouveau Swinger Euro MK2 en version Black Label, hein, qu'on a ici, en coffret 3 ou 4 cannes. Donc l'ensemble masselotte, tige, dans les mêmes finitions anodisées noir mat et une tête noire, avec le système de portique automatique Fox. Réglage ressort de la tension du bras. Et pour décembre 2012, une version illuminée où on a la tête cette fois-ci dans ce qu'on appelle le Gunsmoke, qui est un gris anthracite transparent avec diode blanche. En vous souhaitant un magnifique automne de pêche et à très bientôt sur Fox TV.